je m'appelle Nadia Troubi-Sapsaf. J'ai plusieurs casquettes. Je suis journaliste et militante associative et militante politique, mais je suis nominée dans la catégorie écrivain car j'ai écrit deux livres sur l'immigration. Le dernier s'appelle 1983-2013, La longue marche pour l'égalité. Je prépare deux autres livres pour 2015, un livre collectif sur les violences faites aux femmes et un roman sur la Seconde Guerre mondiale qui va nous emmener jusqu'en Palestine. Alors, je suis d'origine tunisienne, c'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce gala de la femme africaine, car je trouve que la femme africaine n'est pas assez mise en valeur dans les médias mainstream ou dans les prix habituels. Pour moi, l'Afrique est sans conteste le continent de l'avenir.